Bon, salut les amis. Voilà, je fais l'essai de la 790 Adventure. Alors, ce modèle est en rodage. Alors, je peux l'essayer pendant une heure pour un peu avancer le rodage. Alors, niveau souplesse, on ne peut pas descendre en dessous de 2500 tours. Et en rodage, je suis limité jusqu'à 6000 tours. Alors, il y a le shifter en montée et en descente. Ça donne presque pas d'un coup, c'est plus agréable que BM. Ah ouais, là, je suis à 2800 tours. Incroyable, hein. En 6, si je descends en 5. Alors j'ai passé des ralentisseurs. On les sent presque pas, c'est bien confortable en suspension. Bon, au niveau protection, je sens un peu de vent quand même au-dessus du casque. J'ai un peu d'air qui passe quand même. Ça mériterait d'être un poil plus haut. La bulle est déjà réglée au plus haut. La selle est en position basse. Bon, vu que j'ai tardé à enclencher l'enregistrement, je vais tout de suite faire le tour du monstre. Alors c'est un bicylindre en ligne, hein. Alors ça va, il n'y a pas de voiture, presque pas de voiture. Je vais la laisser au soleil quand même. Ah, c'est bien équilibré quand même. Elle braque bien cette moto. Voilà. Alors la béquille, l'ergo est bien en arrière. Voilà. Voilà la 790 KTM Adventure. Ça, c'est la version route, on dira. Alors, il y a un putain de radiateur. Voilà les phares à LED. Il y a des gros disques ventilés. Étrier double piston, mais c'est des étriers KTM. Alors c'est ça que je vous disais, il y a un renfort de chaque côté là, il y a une barre en acier là qui est vissée à la potence en alu, et à mon avis ça c'est pour rigidifier. Ouais, alors voilà les fameux réservoirs d'essence. Alors au total ça fait 20 litres. Alors le pot, il avait dit qu'il mettrait un Akrapovic, mais là il l'a toujours pas mis. Alors
Voilà ce que ça donne derrière. Ouais, ça va encore en largeur. Hein. Alors niveau sel, ça va encore. Hein. Là, comme ça, on est calé derrière. Alors, il y a une protection supplémentaire en plastique pour ceux qui font du tout terrain avec dans les chemins. Ah, il y a le ventilateur qui s'enclenche. Ouais, c'est assez discret. Hein. Bon, ça, c'est les énormes. Bon, faut pas trop la faire chauffer. Il y a des protections pour les mains. Ça protège aussi un peu du froid comme ça. Bon, allez, hop, il faut que j'escalade le monstre. Là, c'est un peu haut quand même. Là, la hauteur, je l'afficherai, mais je crois que ça fait 835, il me semble. Voilà. Bon, eh ben, maintenant il faut que je continue ma route pour une fois. Alors les KTM chauffe pas mal quand même. Voilà, ça c'est ma route habituelle. Hein. Shifter. Là je suis à 2000 tours, en troisième. Alors c'est assez léger, hein. Je crois que ça fait un peu plus, ouais ça doit faire 210 kg avec les pleins, parce que KTM ils annoncent toujours le poids vide, sans l'huile, sans l'essence. Alors c'est un modèle, on peut l'équiper de valises, c'est une voyageuse, ça reste quand même une voyageuse. Ah, j'étais en troisième. Elle n'a pas apprécié. Hein. J'ai réussi à démarrer au deuxième. Ouais, pour moi. Le moteur est pas assez souple. Il faut jouer assez souvent de la boîte, c'est dommage. Moi bon, je vais un peu rouler et puis je vous dirai si c'est un modèle qui m'intéresserait. Ouais, l'agrément moteur est au-dessus de 3000 tours, quoi. À
un peu comme une Ducati. Je m'attendais à plus souple. Hein. Alors, pour les petites routes comme ça, c'est l'idéal, quoi. C'est léger. Bon, je connais pas la moto, mais on l'a vite en main, celle-là. Je ne vais pas passer par des grandes routes, parce qu'à cette heure-ci, ça circule. Alors, le frein arrière, il freine quand même. Hein. Si je freinais deux en même temps, ouais, ça plouffe quand même. Hein. Alors, en face de moi, c'est remillé ça. Je la mets dans mon top 6. Personnellement, je préfère les Triumph. Que ce soit la 900 ou la 1200, elle est plus souple. Ça pousse, hein, c'est pas mal tout, mais je préfère quand même les moteurs Triumph. Hein. Bon, après la 1290 GT, ça serait une autre histoire. Hein. Alors ça, c'est une route que je fais des fois en vélo. Et à mon avis, ma batterie était déjà un peu... je l'ai déjà utilisé avant, j'arriverai pas à faire tout l'essai avec la même batterie. Faudra que, sûrement que j'arrête l'enregistrement. Regardez le paysage, c'est magnifique. Là, les arbres sont en fleurs. Pour ce genre de petite route, je préfère encore une indienne pour faire des balades. J'ai encore une demi-heure devant moi. Ah, des brebis. C'est des brebis, ça va. Là, je suis à 2300 tours. C'est là que je tourne. Alors sur les petites routes, bien sûr, il faut faire gaffe s'il n'y en a pas qui vient commencer à aller en bagnole, quoi.
faut toujours anticiper quoi. Je dis ça pour les novices, hein. Faut pas trop couper les virages. À ma gauche, là, j'ai déjà fait du drone. Alors, il m'a dit de laisser en mode strict pour le rodage. L'ampérage de la batterie. Alors je vais faire une boucle. Ah, ça plonge, hein. Ah, j'ai pas l'habitude, hein. Heureusement qu'elle est pas trop large, la moto, hein. Le plus large, c'est les rétroviseurs, en fait. Là, ça fait 35 minutes que je roule. J'ai déjà un peu mal au cul. Par contre, sa position, je le redis, ça va. Bon, une selle, ça se change. Hein. Je connais un bon sellier sur Chambéry. Après, avec la mienne, je vais faire cette route, mais dans l'autre sens. Voilà le Semnose en face de moi. Il y a encore de la neige au sommet. Là, il y a des virages en angle droit. Alors, je vais passer par une route que je vous ai jamais montrée. Qui est très étroite. Putain, obligé de rouler en premier, hein, comme les Ducati. C'est pas avec des petits trucs comme ça que je fais des kilomètres, hein. Vu que j'ai encore le temps, je vais descendre à une nationale. Que je fasse gaffe, il y a du gravier.
Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a vu de loin, il m'a laissé passer. Ah, sympa le mec, hein. Ah merde, la caméra s'est arrêtée. Saint-Sylvestre. Bon, ça enregistre toujours. Il va falloir que je m'arrête pour changer la batterie. C'est la route, hein. Est-ce que je m'arrête là? Je vais essayer de m'arrêter là. Alors, point mort. Voilà, c'est reparti, j'ai mis une nouvelle batterie. Alors là, je vous ai jamais fait venir ici, on est à Chapéry. Si, je suis déjà passé par là. Alors moi, des fois, je reviens et puis je remonte par là, sur la droite. Je voulais faire ça, mais là, il me reste un quart d'heure. C'est le nose en face de moi, là. Bon, au niveau de protection du vent, il y a mieux, mais c'est déjà pas mal. Bon, il doit exister en accessoire des bulles un peu plus larges et un peu plus hautes, sans dénaturer l'esthétique. Il est 18h. Ah, j'ai quand même senti là. Je l'ai pris trop vite le ralentisseur. Alors la fourche n'est pas réglable. Il y a l'amortisseur arrière qui est réglable en pré-contrainte, je crois. Ah, j'ai pas le temps de faire ce que je voulais. Que je vais faire, je vais prendre une petite route que je connais pas bien. Elle est où cette route? Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Alors sur ma droite là, il y a Audi. C'est pas très loin d'ici là, qui veut faire un pôle moto là. Et là, il y a l'entrée d'autoroute.
le péage Annecy Sud. Bon, là j'irai pas trop vite parce que je la connais pas bien. Il me semblerait même que j'ai jamais fait cette route dans le sens là. Je suis rentré dans le magasin KTM, moi je pensais que prendre rendez-vous, je m'attendais pas, j'avais pas prévu de faire l'essai ce soir. Merde, c'est où maintenant? Je sais pas où est-ce que ça va à droite. Que je regarde sur Google Maps où est-ce que ça va à droite là. Ça m'intéresse. Je vais pas me faire écrabouiller par un gros tracteur. Voilà, je rejoins Montagny-les-Lanches. Ah, tiens, il y a une ferme à vendre. T'es obligé de rouler en deuxième. Là, en triomphe, je serai à troisième. Voilà, je rejoins ma route habituelle. Il me reste 10 minutes. Bon, ça ferme à 19h, hein, même si je suis un peu en retard. Heureusement qu'il y a les protège-mains, ça protège du vent en même temps. Parce que la température, là, il y a un thermomètre digital, il fait 15 degrés. J'ai un peu mal au poignet gauche quand même. Niveau vibration, on en ressent quand même un petit peu. De toute façon, je préfère ce modèle que la BMW 750 GS. En fait, c'est pas une cylindrée 750, c'est une cylindrée de 850 moins puissante. Ben, c'est là l'avantage, elle a plus de caractère. Souplesse, c'est le même niveau en dessous de 2500 tours.
mon avis, après faut voir la fiabilité, parce que la Duke 790 elle a des problèmes de fuite d'huile, fuite d'eau. Alors j'espère qu'ils ont résolu le problème. Vu qu'on joue pas mal de la boîte, à mon avis, il y aura des soucis d'usure de boîte de vitesse. Dans les plaques d'égout, je le sens quand même. C'est plus l'amortisseur arrière qui est plus dur que la fourche. Alors, bon, le fameux virage à droite, c'est là où je vois les châssis s'ils sont bons. Si j'élargis la trajectoire comme la T120, la T100. Là, il faut des joggings avec leur chien. On ne sait pas qui c'est qui promène, si c'est son maître qui promène le chien ou si c'est le chien qui promène son maître. Fois le rodage fini, à mon avis ça part bien dans les tours aussi. Et là je peux pas. Bon bah comme j'ai déjà dit, je la place dans mon top 6. Alors c'est un modèle qui coûte 12 500 €. Par contre, je crois que le shifter c'est une option. Alors il doit y avoir déjà le shifter installé et tout, mais il faut activer l'option quoi. Bon c'est pas trop cher, je sais pas les prix. Alors ça c'est un modèle, soit je l'équipe d'une sacoche arrière ou de petite valise. Je l'équiperai d'une bulle un peu plus haute, un peu plus large. Puis voilà quoi. Bon. Alors je remercie le... la concession Annecy, KTM Annecy. Voilà, bye bye les amis.